Chers frères et sœurs, chers amis, chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous avons présenté aujourd'hui la voix de la diaspora. C'est un programme hebdomadaire que nous présentons toujours en fin de semaine. Et c'est professeur nous, professeur Dr Bissette, qui est là ensemble avec nous et nous accompagné de la secrétaire générale de l'Alliance démocratique haïtienne, ADA, qui pourra parler nous un peu et de activités que nous pourrons organiser sur la science des cimetières et le 9 décembre 2023. Donc, on spot que Mdarem et que nous portons attention à lui-même. Et puis, éventuellement, dans l'émission ça, nous pourrons parler tout de l'importance de la cour en Haïti. Et donc, m'a fait nous tendre spot là avant. Et puis, nous pourrons commencer à parler, nous pourrons rentrer dans nos conversations ensemble avec Madame Josette Mézil. Bonne écoute. Alliance démocratique haïtienne présente la science des cimetières avec le docteur Jean Gassman Bissette, où l'inexplicable va être expliqué. Jean Gassman Bissette détient un doctorat en histoire et civilisation, un degré avancé en philosophie avec des expertises en épistémologie, ontologie et métaphysique, et aussi une étude avancée en judéo-christianisme. Dans cette conférence débat hors pair, le docteur Bissette va nous expliquer la science, la gestion et l'organisation des cimetières dans le contexte haïtien. Il ne s'arrête pas là, il va encore plus loin pour nous parler du sort des âmes défuntes, le rapport entre les morts et les vivants et les secrets des cimetières, toujours dans le contexte haïtien. Samedi 9 décembre 2023, 6h p.m., Hofstra University, Hempstead, New York, 11 549. Réservation, s'il vous plaît, quand les places sont limitées. Nous prenons autant de spots là, chers amis, et que moi t'ai dit que moi en compagnie de Madame Josette Mézil, qui va le faire ensemble avec nous. Donc, alors là, profitez pour capable saluer nous avant que nous capables rentrer dans le sujet que nous allons développer aujourd'hui. Madame Mézil. Salut à tout le monde, ici Madame Mézil pour Alliance démocratique haïtienne. Secrétaire général de l'Alliance là, qui a bien parlé un petit peu de samedi 9 décembre 2023, que ADA, ses premières sorties ADA, sont quand la conférence que nous avons commencé, et nous avons une série de conférences que nous avons bâillé tout. Que première conférence là, Dr Bissette, comme présentateur, pour parler de la science des cimetières. Well, la science des cimetières, c'est quoi? Obligé de poser cette question pour me demander, docteur Bissette, est-ce que dans la science des cimetières, le docteur Jean Gassman Bissette va nous expliquer l'inexplicable? C'est l'inexplicable qui va être expliqué. Donc, y a-t-il vraiment une science des cimetières? C'est ce que je me demande. Parce que, moi, je connais, il y a science de la mort, la thanatologie. Qui est du grec Thanatos, qui était le dieu de la mort, et de Logos, que tout le monde connaît, c'est discours ou science. D'où ça que je connais, mais la science des cimetières, ça me paraît un petit peu. Que je ne peux pas comprendre, mais Dr Bissette, parle-moi de la science des cimetières. Mais en qualité, Dr Bissette, comme on est haïtien, s'il a parlé de la science des cimetières, c'est parce qu'il y a un bagage pour parler de la science des cimetières. Pourquoi? Parce que Dr Bissette détient un doctorat en histoire et en civilisation. Un degré avancé en philosophie avec des expertises. Épistémologie, ontologie, métaphysique. Et encore une étude avancée en judéo-christianisme. Les gars, les toutes connaissances, ça, yo, plus expérience Dr Bissette dans le milieu haïtien, et ça ne pourra pas aller assez dans la science des cimetières dans le contexte haïtien. Je crois que Dr Bissette a assez de bagages pour expliquer l'inexplicable. Dr Bissette. Bon, cimetière, ou dit que. Bon, et de toute façon, comme et nous t'ai déjà dit à plusieurs reprises, que
nous avons invité nos amis, les gens qui ont participé à cette conférence. Et si vous avez besoin de venir en personne, nous attendons et puis nous avons tout qui a participé par Zoom. Alors, si nous ne pouvons pas entrer trop dans les détails, mais seulement nous connaissons que nous parlons de science, nous parlons de connaissances. N'a parlé de épistémologie, n'a parlé de une connaissance qui même au-delà d'une connaissance rationnelle et qui au-delà de connaissance intuitive, émotionnelle et comment nous capable connaître qui ça nous doit connaître qui limite nous gagner dans en matière de connaissance. Donc c'est ça la scientia. Scientia en latin et puis et but science là même c'est aider nous à comprendre à percer même les mystères. Ouais, et si nous arrivons à faire ça, donc vous pensez que nous gagnons clé l'univers dans mes noms. Donc il y a tellement de défis dans la vie de l'homme, dans la vie de chaque jour et parfois nous pas même penser à sa capitaine nous. Aujourd'hui il y a un monde qui a 40 50 ans, donc les plus près de nous capable dire de la fin de sa vie. On a dit sur le plan physique et donc nous pas penser à ça, il a dit que nous n'a vivre même si nous gain 70 80 90 ans, nous t'a toujours continuer à vivre, mais nous aussitôt qu'on dépasser les 40 ans, donc maintenant ou plus loin de la naissance ou pas dans question de naissance encore ou plus loin de la mort, mais la mort est liée à la vie. Et donc, sans la mort, pas gagner la vie, sans la vie, pas gagner la mort. C'est ça que nous relève le principe de la contradiction et qui existait. Alors, c'est tout un série de connaissances, de compréhension même que nous sommes capables de trouver dans le des proverbes, parce que ce n'est pas seulement au niveau de la connaissance, mais aussi au niveau de la compréhension et de science-là. Parce que c'est ça qui fait que moi, j'ai dit, et moi, j'ai toujours dit dans les émissions antérieures, que un bon professeur toujours demande à l'élève s'il comprend. C'est pas seulement on vient partager la connaissance, mais il faut demander à l'élève s'il comprend. Et là n'a pas n'apprendre dans le domaine de la connaissance, nous faut nous parler de perception, de intuition, de expérience, de évidence scientifique. Ouais, et gagner tout des informations ou des connaissances innées tout qui fait grand partie de débat à travers le temps. Okay, donc c'est une connaissance tout à fait naturelle, on a parlé de connaissance intuitive là, et qui est très important pour nous, donc on n'a pas besoin de faire un peu l'effort pour capable comprendre certaines choses. Et donc, je dis, hein, là, nous rentrer, nous essayer de mettre en rapport au type de connaissance ça, avec ça, cimetière là-dedans, nous sommes l'autre univers totalement différent de univers qui dehors, ouais. Et gagner donc en forme de gestion, en forme d'organisation, et gagner tout un système, et même discipline même au niveau des cimetières, et relations entre les morts et les vivants, et qui est toujours actif, le sort de l'âme humaine, et gens que, par exemple, n'a parlé de contexte haïtien, gens que longtemps, que, et les, pas gagner morgue, les que, par exemple, nous atterrons au monde, et on défunt et comment que au niveau du cimetière t'es toujours confumé qu'à monter après 3 jours ça a grossification et gagner un pile bagaille qu'on capable faire de bien ou de mal au niveau du cimetière, ça dépend de qui choix qu'on fait et qui côté qu'on y est, et question de l'âme, le petit bon ange par exemple, le sort du petit bon ange et comment on capable manipuler les au niveau du cimetière et même en dehors du cimetière. Mais là nous entrer dans tout un lieu de mémoire, un lieu historique, un lieu sacré. Ouais, côté qui t'a doué par exemple et que monde et payer en pile respect pour les cimetières en Haïti, nous ouais que il y a un peu de désacralisation des cimetières de nos jours. Et gagner sont donc capables de les toute une série de irrespect que nous voyons à travers les cimetières. Donc c'est décision qui te doit qui doit prendre au niveau par les autorités pour capable réellement et assurer que les cimetières sont bien fermés et que gagner un respect envers les morts. Ouais, et en matière par exemple de des familles, les liens qui existaient entre nous-mêmes et les ancêtres,
parce que les morts sont plus près de nous. Les âmes des morts, nous sommes capables de plus près de nous-mêmes, parce que c'est eux qui permettent que nous capables, ouais, et nous capables de sentir nous un peu en sécurité parfois, nous voyons à travers les rêves, à travers les visions, et les révélations, ils viennent parler avec nous, ouais, donc ils sont plus près de nous. Donc nous-mêmes, tout, nous gagnons au travail. Et pour nous faire, pour permettre que ces âmes-là capables d'évoluer. Donc, là, on a parlé de, nous pouvons plus rester dans la question de gestion d'organisation des cimetières, que les cimetières ont commencé, et par exemple, et pour que ça, l'Église catholique est obligée, et vient prendre le monopole des cimetières, et qui ça qui gagne, et dans le système capable de dire catholique, et en matière de, et des âmes, et comment que ils ont organisé, et cette question des âmes, ok, au niveau de l'Égrégore catholique, par exemple, et puis c'est une occasion tout pour nous parler de tout ça qui existait durant l'époque coloniale et les cimetières d'habitation, cimetières familiales et puis tout et pour qui ça que par exemple dans le code noir, ouais, et les esclaves qui pas baptisés, ils pas capable d'enterrer dans les cimetières. Donc là, c'est tout barré ça que nous pourrions venir ensemble avec eux et puis nous pourrions faire une sorte de... Et nous pourrions passer rapidement sur les Taïnos. Est-ce que vous avez un cimetière, comment vous avez organisé à l'époque? Rapidement. Mais nous pourrions plus chita à l'époque coloniale et de nos jours. Et futur cimetière en Haïti, comment que cimetière doit réorganiser? Et comment... Qui force réellement qui trouve dans le cimetière, gagne tout une série de rituels, gagne tout une série de divinités que nous contentons qui parler, qui d'obider et les cimetières, qui contrôlent les cimetières. Est-ce que c'est vrai que les premiers cimetières et coloniales ont commencé en Haïti? Et la question des barons, est-ce que c'est réellement que ils ont défunt qui va passer de un élément à d'autres éléments, et quel est le sort de l'âme humaine en ce sens? Ouais, c'est pas l'esprit, elle dit que là, nous entraînons nos aspects métaphysiques pour nous capables réellement faire des cantations entre l'esprit et l'âme. Ouais, et nous capables mettre le même dans un contexte purement, puisque il y a plus de monde qui croit, et dans la Bible, nous capables mettre le contexte biblique, tout, mais nous connaissons que normalement, qu'il y en a plus grande philosophie qui existait, c'est la au métaphysique, c'est la métaphysique que nous trouvons dans le vaudou. Qui finit avec un système tripartite, ouais, côté il parlait de corps cadavre, il parlait de l'âme et de l'esprit. Et c'est à travers l'âme humaine, l'on essayé, capable de décortiquer, nous voyons que il y a deux aspects là-dedans qui est important, dans l'âme même. Ouais, donc c'est tout ça yo que nous parler de yo et que les amis a opportunité pour capable poser des questions. Donc c'est ça que m'ta capable dire en gros et ma sœur et Marie et Josette Mézil. Donc, on ne peut pas soit ajouter quelque chose à ça, puisque c'est nous tous qui pouvons interagir. En conclusion, dans le séminaire OPR qui va gagner le samedi 9 décembre, mais au niveau du vaudou, parce que nous avons une idée qui monte de ce cimetière, qui réellement rôle cimetière à jouer, je parle de comme si de loi, you know, rôle cimetière à jouer. L'an vaudouan qu'on a parlé de guédé. Est-ce que c'est un royaume lié vraiment? Bon, et alors là, nous parlons rentrer dans les esprits des morts et qui gagnaient toute une hiérarchie qui organisait. Tant que par exemple, nous connaissons que même les quatre barons qui existaient, et eux-mêmes, ils dépendent des grands esprits de l'univers. Donc, ils ont une fonction par eux et ils ont dominé tous les cimetières du monde. Mais là, encore, ça dépend de dans quelle tradition qu'on rentre, parce que si c'est dans la tradition Nago qu'on parle rentrer, on parle de 16 barons. Mais en réalité, ce n'est pas baron, c'est G-baron. C'est G-B-A-O-N. Qui gagne on qui veut dire soleil. Ba veut dire esprit. Esprit du soleil. Ouais, c'est le G-Baron, alors nous nous dit Baron. Même j'en ai dit Baron samedi, il n'existe pas de Baron samedi. Il existe le G-Baron samedi. Et qui a à voir avec les festivités de Samhain. Et ça, les Américains, les Anglais, les Thanksgiving, Halloween. Halloween. Alors, c'est même Halloween, c'est une déformation du terme Halloween que nous avons en Haïti.
et les Alovis, les fils les enfants de Alovis, qui gavent avec les Guédévi, ouais, et de l'Afrique, ouais. Donc, maintenant... C'était toute une histoire, hein, docteur Bissin. Oui. Parce que moi, tu t'y connais, en fait, tu t'y connais dans la matière, parce que moi, je suis rentré dans le Guédéa, là, moi, je suis rentré dans le département Guédéa, je suis déposé sous moi dans le Guédéa, là. Bon, et puis après ça, bon, tout... Non, parce que là, c'est très important, le Abdoumoudou dit, ben, il y a plusieurs monde qui parlait de Baron Samadi, hein, qui pas parlé de Baron Samadi tant qu'on a pris les, hein, ils ont expliqué, mais ou même ou bam tout origine d'où c'est l'Henri Tnago, mais il y a l'autre monde qui parlait de 16 barons dans le cimetière qui parle l'Henri Tnago. Oui, mais bien sûr, bien sûr. De 16 barons dans le cimetière. Bien sûr, mais il gagnera au voir tout avec le processus de la réincarnation, parce que normalement dans le vaudou, même dans la tradition dahoméenne, où vous trouvez par exemple, il parle de que y a un monde capable réellement réincarner 8 fois garçon, 8 fois femme. Donc là, nous trouvons 16 là tout, et nous trouvons le tout dans l'échelle de Jacob, qui gagne 16 niveaux, ouais, yeah. 16 escaliers. Donc, tout le chiffre, c'est son symbole, son terme symbolique. Oui, son terme symbolique qui gagne plus l'importance. Mais pour le problème qu'on y a là, est-ce que le problème de réincarnation existait vraiment? Ça, c'est l'autre sujet, ouais, qui t'a créé l'autre type de débat. Mais l'essentiel, c'est que si nous parlons de est-ce que réellement Baron existait vraiment, ça, c'est l'autre question. Parce que nous voyons que même gens dans le monde hiérarchique qui existait dans le monde physique, eh bien, au niveau des esprits, tout gagnait l'autre monde qui existait. Mais ça dépend de qui élément, de qui élément on a parlé. Donc, on est que gagnant hiérarchie dans l'élément de l'eau, dans l'air, et dans la terre, et aussi dans le feu. Ouais, mais question cimetière, c'est vraiment important parce qu'en pile fois, et nous qu'on référait nous à Baron Samedi comme le chef des cimetières, alors que Baron Samedi les gagne maman, les gagnait d'autres esprits qui presque jouaient même rôle avec, parce que problème de rôle, problème de, alors c'est même genre dans le foyer et humain, et n'apprendre dans la tradition purement la culture méditerranéenne de question de masochisme. Ces garçons seulement qui gagnent la voix au chapitre, même dans la Bible, nous avons une généalogie en plus et centré, axé sur les hommes. Mais si par exemple, on a parlé de la famille, ou au lieu qui est différent, c'est pas que fille ou bien garçon, il y en a plus que l'autre. Et donc, c'est au lieu qui est différent, même j'entends dans, au niveau des cimetières. Et c'est pas que Baron Samedi, c'est lui qui est en chef là vraiment. Mais par exemple, on gagne Guédenibo, par exemple. Ouais, Guédenibo, c'est un grand divinité, un grand esprit au niveau du cimetière. Et, mais il passe pas que Baron Samedi a dit plus haut passé. C'est que Guillaume gagne des rôles différents. Il y a des fonctions différentes au niveau du cimetière. Et après l'autre barre autour, il y a un rôle autour, même dans l'armée, chaque général, colonel, capitaine, lieutenant, sergent, il y a un rôle. C'est même gens que l'y organisé dans le monde des esprits. Général de division, de brigade et autres. Bien sûr. C'est comme ça que l'y est. Ouais. Mais c'est une science réellement intéressante. C'est un séminaire qui parle. Qui parle pas en pile causé. Oui, alors nous pas laisser rentrer très très fort dans la question métaphysique là, qui est très très important pour nous connaître exactement de quoi il s'agit. Ouais. Et est-ce que réellement que ça que on dit dans le protestantisme que depuis mon enterré net, là il mourit net, alors que n'a gardé par exemple, même c'est une contradiction, un paradoxe. Jésus mourit après Médamio, Marie Madeleine toujours aller dans le cimetière porter parfum, à beau mes corps pour qui ça, c'est qu'on est après ressuscité, pour qui ça retourner et je dirais au cimetière. Ouais, pour la Abomélie. Et puis d'ailleurs tout Joseph, c'est une tradition. Oui, Joseph mourit depuis plus de plusieurs siècles, il était toujours dit dans le testament là pour pas quitter reste dehors. Ouais, dès que le peuple israélite a rentré et dans la terre dans à Cana, et dans le désert de Sinaï pour aller à la terre promise. Et bien finalement monsieur Moïse pas quitter Zoldé, il pas quitter reste derrière. Donc ça veut dire que Guéon
les reliques, les osselets, ouais, tout ça, cheveux, autres, ben, y a une importance capitale. Et pour, non seulement pour les Israélites, mais aussi pour d'autres civilisations. Même Jean, papa Joseph mourit et en Égypte, et puis Joseph allait faire une belle procession, très très pompeuse, il menait papa à l'entrée papa à la Canaan. Donc c'est comme ça. Et c'est ça fait nous-mêmes dans la diaspora, nous croyons que il est toujours bon pour, ouais, il est toujours bon. Moi, je dis toujours bon dans le sens que, gen moun ki pa gen moyen, qui est obligé de mourir en terre étrangère, ils ont fait partie de rentrer dans l'autre système, qui pas système pa yo, ouais. Et donc il est plus facile capable de tout on capable plus fort pour mourir dans le pays au côté que gagner des esprits de commande qui dirigeait il là qui dirigeait zone là qui dirigeait région qui dirigeait communauté côtière parce que c'est pas hiérarchie oui ouais donc il est plus facile pour vous. Et pour laisser ou pas faire trop d'efforts ou bien des armes évoluer dans ta famille pas faire trop d'efforts puis capable de chercher et à mon côté lié dans pays étranger. Ouais, et donc c'est comme ça. Mm-hmm. Yeah. Et donc bon, c'est. Donc, on... Vicente, mais qu'on est capable de parler pour nous assouer de la couille. Que... Alors, me dépense, c'est où parce que qu'on domine le sujet ça en pile ou qu'on bat la conférence. Oh my God. Sur sujet ça déjà. Ça. Ouais, donc. Nous allons faire rentrer tout petit, soit faire la couille en pays d'Haïti. Docteur Milton, définis la cour pour nous maintenant. Parce que nous parlons de trois gros la cour, mais il y a l'autre la cour qui a parlé de tant que Campège, tant que l'autre la cour, qui n'a pas réellement parlé de vous, il a parlé de trois puis gros la cour, à savoir souvenance, la cour souvenance, il a parlé de la cour. Badjo, et Soukri. Et avec la cour Soukri. Uh-huh. Mais cependant, on a parlé de la Campège. Oui. Il était en gros la cour et puis l'autre la cour fait que je suis mentionné que Muriel m'a chef qui m'a fait ou chef tout beaucoup gars. Non, on pas trouver le facile parce que la cour ça c'est la cour ça c'est pour la cour presque monde connaît mais sur la cour en très très ancienne lié. Alors là on parle de la cour on a parlé que un espace, un lieu de résistance tout parce que monsieur était qu'on organise résistance anti-esclavagiste dans la cour. Et son lieu de rencontre familiale tout et puis au espace spirituel tout donc c'est un pile bagage capacité et puis son lieu sacré que lié tout ouais et ça fait par exemple on pas paraître pour entrer dans la cour monde sont pas connait vraiment ou frapper honneur respect et gagner même une série de zones côté moun yo établi une série de bailler les tourniquettes côté que bouk pas passer moun la dit faut baisser pour rentrer donc yo gon contrôle la cour kon borné moun yo borné mystiquement la cour pour moun pas rentrer puis faire des ordres dans la cour. Donc c'est très très important donc aspect mystique dans la question de la cour en tout. Ouais mais en Haïti grand pile la cour et dans toute région nous trouvons la cour mais la cour est différent et ça va dépendre tout de gagner cérémonie qu'on fait en enseigne de la cour c'est il va obliger seulement cérémonie gagner de la cour tout qui pas fait cérémonie mais la cour toujours est en la cour côté que et gagner des échanges interactions qu'a fait mon yo a été agent dans la cour en famille yo a été agir au chita yo parler yo bay blague yo chita ba pied mango ou en bas pied bois de chêne en bas pied et capable dit ma pou tout qu'on gagne dans ces de la cour qui gagne ma pou et puis yo kachita en bas pied et amandier ouais et donc il y a belle blague ouais donc la cour joue un rôle important c'est son énergie gon énergie qui dégage même dans la cour même par rapport à c'est ça qui fait que longtemps et les on moun mouri yo obligé faire veille la caille même. Ouais, yo exposé mon dans la caille parce que mon a quitté énergie là et que dans la cour au mon pas doué avant son gain avant terrain familial ancestral ou parce que gagne toute autre tradition yo énergie yo Grégoire qui créé gagne même qui côté qui des démembrés même on sait de la cour qui des démembrés côté que des esprits familiaux qui viennent servir la cour qui viennent mettre au service de la cour donc c'est extrêmement important alors l'aime d'a parler tout à l'heure de la cour. Et moi, j'ai parlé de la cour Trois-Cailles, qui est exactement trouvée dans la zone pour bébé Dorette, sur la cour. Et que toi, la cour, moi, quoi, qui fondée exactement et en 1799. Mais il y a eu, voit tout avec une question plus astrologique, parce que tu as eu une tempête d'étoiles filantes, et qui était passée en 1799. Et nous venons comprendre, là, pour retracer construction la cour ça yo nous vinn que tout l'étoile la cour ça qui forme un triangle c'est la cour des Réal et la cour dans Campèche avec la cour Trois-Cailles ouais
yon et qui pour sous-bord et la culture du nord, plaine du nord, l'autre là qui bon limonade, la côte de Réal, et l'autre là qui exactement trouver la Bédorette. L'on garde au forme un triangle. Ouais. Donc, gen tout ton énergie, c'est pas comme ça aurait été fait, il gen tout ton énergie qui a circulé, qui a dispersé en dans triangle ça. Ouais, qui associe tout à tempête ça, une grande tempête. Et il y aurait les tempêtes de Léonide ou d'étoiles filantes qui étaient faites en 1799. Est-ce que nous perdons du force, nous-mêmes en tant que nègres d'Haïti? Parce que les maptans des sacs qu'on passait longtemps avec un série de grands nègres mystiques qui passaient sous terre les Haïti, ça. Des mouns qui ont des pouvoirs extraordinaires. Qu'est-ce qui a passé aujourd'hui là? Est-ce que nous perdons tout pouvoir ça? Yo, ou tu me dis des mouns qui ont des pouvoirs? Qui est doucement qui pas parler? Parce que il y a des monde qui réellement parlent pas en pile, parce que yo, ce sont des âmes vraiment calmes, mais des monde cependant on parle avec monde yo ou réaliser avec qui est-ce que on parle. On a parlé de la cour qui était un gros monsieur ça yo. Mais la cour qui est plus ancien d'après recherche pam, c'est la cour Badjo. Mm-hmm. Parce que c'est lui-même qui était dans les années 1792-1793, qui a même dit que Dessalines était la Coussard, que était qu'on passait dans la Coussard, c'est ça qui fait mettre la Coussard, c'est Ogou Badagry, le grand général. Ogou Badagry. Alors qu'on est que général Badagry a une histoire d'elle tout, à partir de planète Jupiter. Pour t'expliquer ça, j'étais tellement étonné l'homme histoire de Badagry que Badagry soutient en Égypte son bagage que mon petit Jean grand pile bagage qui fait que vinn dit sorti à grand pile sens lancer de l'autre bagage que m'a metté comme si m'a allié yo pour moi que son esprit de l'olier vraiment parce que l'organe au goût Badagry nous mettez l'emporté en ago, mais tout esprit sinago représente le feu, mais tout esprit au pas feu. Parce que Ogo Ogo qui avec Agouya. Non mais Ogo Balenjo. Ogo Balenjo, Ogo Badagry. Et Ogo Badagry vraiment qui a sauté dans la planète Jupiter. Parce que l'en bataille pour Ezuli, on connaît la mythologie vaudouin, l'en bataille Agoué pour Ezuli Frédéric Badagry. C'est peut-être ça qui fait Badagry descendre plus fond que Agoué, parce que yo dit que Badagry li plus fond dans la mer que Agoué. Parce que gon côté dans la mer que c'est limite Agoué, mais descendre plus bas toujours que Agoué, c'est limite Badagry. Donc ça veut dire que général Badagry a c'est pas petit général petit. Alors dans même forme d'idée on va parler hein? Et on va parler de la Kouba Joa. Et donc, on connaît que toute la Kouba, il y a chacun rite par yo, il y a chacun divinité, que, surtout dans aspect tribal là. Tant que par exemple, on regarde dans le rite congolais très très fort, dans la Kousoukri, oui, bien sûr. Yeah, alors que l'on garde dans l'aspect d'Aomé, on peut le trouver plus dans la souffrance. Non, c'est la souffrance, parce que souffrance, c'est plus d'Aomé. Exactement. Même rituel souffrance, ouais, c'est d'Aomé, c'est ritual. Exactement. Souffrance, l'on garde rituel liant qui s'échève avec mouton. Et rite d'Aomé privilégie mouton en pile la dalle. Et que j'ai toujours dit que c'est pas un sacrifice que n'importe monde fait, c'est le sacrifice mouton. Le plus souvent qui te demande un sacrifice mouton hein? Parce que lui dit en pile bagaille, nous pas besoin d'entrer dans sacrifice mouton hein? Mais il dit en pile bagaille tant qu'on agoué c'est sacrifice mouton, ti Jean dans rivière c'est sacrifice mouton, parfois d'embala sacrifice mouton. Alors qu'on est que le taïno yo pas na fait sans même verser sans même. Non. Du tout. Il y a plus naturaliste dans la question de nature, protéger la nature. Et il y a plus quoi dans ça. Ouais, il y a plus quoi dans les forces de la nature. Ouais, dans les astres. Ouais, c'est dans ça que tu es quoi. Ou yon plus kwe kampe lan lan mè, pala avec lan mè, yon plus kampe lan pied bois, yon pala pied bois, pali, yadouri soleil là, c'était yon bagay. Parce que sous l'autre dimension, on ta yon yon même. Mm-hmm. C'est réellement l'autre dimension. Mm-hmm.
Alors, Non, pendant parler de la cour, hein, et on connaît que bon, Haïti cherche à la cour, et chaque zone est la cour par eux. Nous sommes dit ça tout à l'heure, mais la cour, ça, ce sont des la cour que réellement que, qui sacrée. Non, sens, parce qu'il y a un pile monde, et chaque année, qui toujours dans la cour, ça, elle font une série de et cérémonies rituelles, ouais, pour capable plaire à leur, à, aux divinités, aux esprits qui font partie de la cour, ça, ouais. Donc, c'est très intéressant quand même. Et quoi que grand pile famille au niveau des au niveau de Gonaïves. la coupe, ça sont la coupe plus ou moins nationale. Mais normalement, en tant qu'humain, on t'a supposé qu'il y a la coupe pas. Bien sûr. Mais pour que Ou la bien coupe, faut... vénérer en cet ouïo. oui, mais pour que la coupe, là, et alors, ou doit faire ou la coupe, et, en tant que sous connaissance ou fait, mais ancien parent, yo fait, yo te la, yo la coupe, même si la coupe n'a pas un caractère purement mystique, parce que y a quelqu'un qui ne doit pas comprendre, et le sens même, et la vocation même dans la cour. Yo, justement, yo gagné terre, que troisième, quatrième, cinquième génération passée dans terre, dans terrain, yo fait caille, yo bâti, puis c'est là que yo grandi. Yo élevé, mais, une force qui crée tout, parce que changez bien que l'homme crée force grégorique là, et au cas fait là à différents niveaux. Et il est capable de limiter au niveau de famille, mais s'il y a trois familles, 10 familles, 15 familles, il vient plus fort. Et la vie formule, c'est une force, la cour vient une véritable force. Ouais. Et ça fait que, par exemple, grand pile de monde, là, sorti dehors, leur arrive la caillou, ils prennent chaise, ils chita, en bas la cour, et puis dormi point, et puis ils sont relax. Ouais. Parce que c'est dans la cour, pas, ils sont bien dans la cour. Ouais. Ils sont protégés dans la cour. Ouais. Oui, mais jusqu'à présent, dans la cour Soukri, ou gagne, dans la cour, excuse-moi, dans la cour Badjo, ou gagne même famille, ou toujours, depuis des générations, famille pas dit, ou toujours gagne des générations qui étaient azo pas dit, qui étaient fait, qui étaient créé la cour, c'est ça, yo dit, depuis 1792, où elle était bataille aux côtés de Dessalines, pendant la Révolution. Mais la cour, ça a toujours été, on la cour chef. Bien On la sûr. cour esprit fort, on la cour chef. Mais prison, tous les trois la cour, ça a aussi dans un. Toujours pour pas aussi naïve. Pour yes, pour qui ça tous les trois? Tandis que l'autre la cour pour la forme en triangle, ça fait qu'à forme triangle, ou presque même côté tout. Pour qui ça toi la cour, ça a aussi dans un naïve, yoye. Bon, je pensais que vous connaissez que zone Gonaïves là, tout c'est sur le plan et topographique, l'été, on zone tout de. On sort de zone de refuge. L'été est tout pour une série d'esclaves fugitifs. Donc, on dit ça tout. Parce que les Napotras, c'est histoire. Et une série d'esclaves, nous voyons que c'est exactement ces Gonaïves qui allaient. Et ce sont les pionniers de la course à encore parler là. Donc, moi, je pense que c'est une raison qui a fait algo naïf. Capable de d'autres raisons que nous ne connaissons pas. Moi, je pense que c'est ça, exactement. Il y aurait loyaux parce que changer bien des pour un naïf, ou déjà passé Bédorette, ou déjà et passé Pulboro. Donc, ce n'est pas facile pour toujours dans trou ça quand on rentre là. Ouais, sous-sortie Et surtout exactement, la bonne sous, carotte. oui, sous-sortie dans le nord, par exemple. Ouais, sous-rentrer dans mon chaos là, c'est pays perdu, par exemple, on a trouvé. Donc, parce que c'est une raison qui fait que, et qui nous a associé la course à toi avec le marronnage. Esclavio, ouais, prend la fuite et puis on établit dans zone ça. Mais puisque tu es gagné propre et croyance par eux, et depuis l'Afrique, si c'est esclave, capable dit qui né en Afrique, yoté, ou bien des créoles. Donc, yo continue avec cette tradition et tribale, et chaque côté aller, qui fait que tradition a toujours été de génération en génération. Et conseil de famille, tout qui vient marier l'un avec l'autre, dans la même zone, tout qui permet que la cour soit capable de survivre, et le garder, c'est tout pour son seule famille que y est. Donc, c'est ça que nous t'avons dit. Alors, on Ok, mais pensait. la cour en tout, au point de vue, enfin, non seulement culturel, spirituel, mais si jamais pays a envie de changer, la cour est supposée, on sait, de côté touristique, tout, bien que nous ne pouvons pas rentrer dans trop de bagages, mais créer des la cour, le monde y vini, et puis y a une histoire la cour, tant que tout le monde peut aller, ou jouer une histoire, on sait, de vestiges, que nous avons parlé de yo.
c'est pas seulement l'autre de Yoshitalan Duk University et puis bien comme tout ça qui a passé quand il monde et puis au marché à questionner tout le monde là fait la couille entrer dans toute terre entrer sortir puis comme comment vivre comment est-ce que qui va pour vivre avec politique qui va mener tant que madame qui écrit surtout la toile fois la couille parce que c'est pas un jouet lié. Parce que nous-mêmes, tout faut nous compte ça qui a passé la caille, pour ne pas obliger, pour tout le temps, pour ces mounes qui toujours racontent ça qui a passé la caille. C'est ça qui fait conseiller du temps qu'à Ibo Post, qui aime toujours Lili, qui toujours a de très bons bagages, soit est-il, toujours a de très bons sujets. Et ceci, quand pilote, pour nous faire des photos, pour nous compte histoire la caille, pour nous compte toute racine la caille, pour nous faire réellement parler de pays, pour ne pas étonner les audios en bagage. Oh, quand on est naïf là, quand on est naïf, oh, quand on est Jérémy, ou pas qu'à boire ici, même. Un petit pays, 28 250 km², pour nous, pas qu'à connaître, on a une série de communes, une série de bagailles, qui sont dedans, mais une série de villes, les grandes villes d'Haïti, faut nous connaître. Et ça, que si mon cas pleuvé ici, yo, moi, je demande toute maman, qui si mon nan sa ici, on parle de si mon cas pleuvé dans un pays étranger. Il est en pays étranger, États-Unis, d'où c'est pour famille, au fond, gens pour faire timoun, inculquer timoun nan yo des valeurs haïtiennes, mais quel que soit, je entendre, ça c'est haïtien, oui, qui tu t'es fait, tu as 50 passeports, mais timoun nan c'est haïtien. Moi-même, moi, j'ai petit, c'est toute la Saint-Jean-Denis m'a raconté ça qui a passé, mais qu'on y a, il compte plus passer, parce qu'il fait recherche passer, puisque gagne des bagages, m'a connaît, c'est lui qui voit les documents pour moi. Parce que tellement l'a fait recherche au niveau d'Haïti. Ouais. Parce que moi, c'est la côte blombre et tout, femme, ou yon rassuré, là, yon sorti, obligé qu'on ait ça qui a passé dans le pays. Là. Et mais c'est ça, oui, parce que je vois diaspora. Une culture tellement belle, une culture tellement riche, que nous obligé forcer tout le monde à connaître comment la culture là est. Bon, c'est ça qui voit diaspora. Il y a quelqu'un qui a bien fait connaître que tout le bagage est diable dans le pays. Là. Mais il y a une belle bagage dans le pays là, pour tout le monde apprendre à connaître tout. Et puis, je souhaite que Madame Mézil. Marie-Josette Bézil, nous d'arrêt, mais que très prochainement, l'ENAP fait un autre programme sur la voie de la diaspora. Nous avons râlé sur les grottes d'Haïti. Ouais, et dans le même contexte que nous avons parlé là. Alors, nous pas mettre fin à l'émission, hein, mais que nous faisons bon râler. Et nous retournons encore la semaine prochaine pour nous capables de continuer à informer l'auditoire et nos amis de sa capacité de activité que nous gagnons pour nous faire d'ailleurs nada nous pas être en cadre nous pas élargir cadre là éventuellement il y a plus mon cap demander ça donc prenez patience très prochainement on va faire ça ouais mais encore une fois si on t'a remercié en contact avec et la secrétaire générale madame Marie-Josette Mézil nous a toujours fait ça l'après ban nous téléphoner tout à l'heure et puis après moi-même m'a ban nous téléphone moi et puis n'a pété faire émission pour aujourd'hui. Madame Mézil. Je dis tout le monde qui t'attendait, mais c'est un plaisir pour me te parler avec elle. Nom, c'est Josette Mézil. Mon Jérémy, parce qu'il faut toujours identifier qui côté me sorti, parce que je suis tellement fier d'être de la grandance. D'où ça veut dire, c'est mon Jérémy qui est une petite grandance, téléphone-moi, c'est 914-413-7646. Nous sommes secrétaire général ADA. Et nous comptons qui ça ADA. ADA, c'est Alliance démocratique haïtienne. Nous invitons tout le monde. D'ailleurs, je dis, on commence à faire on liste invitation. Les gens qui veulent entrer là, ADA, est arrivé sous 102 personnes. Que nous allons ouvrir cadre là pour tout le monde monter train. Parce que le train va aller à bon port. C'est sous ça que je vais quitter Nasroya. Et puis, je dis, tout le monde qui t'attendait, merci et à la prochaine. Bon, merci Madame Mézil. Et bon, m'a dit tout le temps, mais encore une fois, c'était professeur Bisset qui est ensemble avec nous. Et comme à l'accoutumée, et téléphone-moi, c'est 973-666-3084. 973-666-3084. Si vous avez aimé rentrer en contact avec nous, Madame Mézil et moi-même, nous avons toujours quitté un message, ou bien un message de voix, ou bien un texte. Et nous avons retourné à vous-même. Restez en paix avec Tetno, restez en paix avec la nature et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits atlantitaïno, capables d'assister nous. À la prochaine. Shalom, shalom, shalom.